Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis complètement choqué par cette nouvelle. Apparemment, Cristiano Ronaldo serait sous la menace d'un licenciement de Manchester United. Manchester United aurait pour projet de résilier le contrat de Cristiano Ronaldo. Alors que dans d'autres clubs, des joueurs pourris jusqu'à l'os, leur contrat n'est pas en danger. Je pense bien sûr à Maguire, qui est d'ailleurs dans l'équipe de Cristiano Ronaldo. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé chercher dans d'autres équipes, alors que même dans le club où Cristiano Ronaldo est en train de jouer, il y a des joueurs qui ont un contrat, alors qu'ils n'ont, alors mesdames et messieurs, je pèse mes mots, aucun, je dis bien, aucun talent, aucune fibre en matière de jeu de football. Tu comprends ce que je te dis? Hein? C'est comme si tu prends un boulanger qui n'a jamais touché le ballon, tu le mets sur le terrain avec Cristiano Ronaldo, et après, quand Cristiano Ronaldo n'arrive pas à marquer et n'arrive pas à recevoir des ballons, tu lui cries dessus. Et le boulanger, tu lui dis, c'est bien, continue à faire ce que tu es en train de faire, tu fais du bon pain au milieu de terrain, même si là on est sur un terrain de foot, franchement, la farine, tu es en train de bien de la pétrir au milieu du terrain, c'est magnifique, alors continue à faire ce que tu veux. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer que Cristiano Ronaldo, hein, parce qu'il a 5 ballons d'or, il doit jouer avec des pizzaiolos, avec des boulangers, avec des médecins, avec du grand n'importe quoi. Vous ne voulez pas lui mettre des joueurs de foot à côté de lui? Hein? Vous lui mettez des Harry Maguire. Qu'est-ce qui fait le policier sur le terrain? Depuis quand la police joue avec Cristiano Ronaldo à Manchester United? Lui, là, il fait partie de la BAC. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain de foot? Vous voyez pas? C'est un criminel endurci sur le terrain. Il ne sait rien faire. Contrôle de balle, zéro. Rien du tout. Les attaquants, ils font du grand n'importe quoi. Cristiano Ronaldo, il leur donne le ballon, hein, dans les pieds, face au but. Les mecs ratent. Et après, vous voulez nous expliquer que c'est CR7 qu'il faut virer, alors que lui a 5 ballons d'or et il vous a fait remporter la dernière Ligue des Champions que vous avez eue. La dernière Ligue des Champions que vous avez eue, c'est CR7 qui vous la ramène. Et là, aujourd'hui, 14 ans plus tard, vous voulez dire, ouais, l'attitude de Cristiano Ronaldo n'est pas vraiment la bonne. Alors, on réfléchit à résilier son contrat. Vous vous rendez compte? Cristiano Ronaldo mange tout seul à la cantine à l'heure où je vous parle. Hein? Tout le monde le regarde comme si c'était un malpropre. Donc là, il y a des joueurs à Manchester United qui sont nuls jusqu'à l'os et qui regardent Cristiano Ronaldo et qui disent, ouais, il commence à parler, ouais, mais voilà, regarde son attitude, voilà, il a 5 ballons d'or, mais vas-y. Que des jaloux, que des jaloux. Cristiano Ronaldo, normalement, quand il est à la cantine, quand il mange, tous les autres joueurs doivent être assis par terre en train d'écouter tout ce qu'il a à dire. Quand il a fini de manger, c'est là que vous pouvez manger. Mais bien sûr, je comprends même pas. Là, vous êtes en train de traiter Cristiano Ronaldo comme si c'est lui qui remplissait les gourdes. Alors que lui, sa gourde, elle est tout le temps remplie. Elle se remplit même tout seul. Tout le monde se dit, mais comment c'est possible? Hein? Quand est-ce qu'il est parti remplir sa gourde? Cristiano Ronaldo, c'est une machine. Un cyborg. Si vous virez les cyborgs, il n'y a plus rien qui peut venir à Manchester United. Les cyborgs talentueux, ils sont dans votre équipe. Les machines, tu as une machine qui fonctionne très bien, qui a fonctionné pendant plus de 20 ans presque, 20 ans d'existence. La machine, elle est là, elle existe, elle fonctionne, 20 ans. Toi, tu dis que tu n'as pas besoin de cette machine. Tu veux des petits artisans, des boulangers, des chauffeurs de bus. Mais Manchester United, si vous n'avez pas compris que le foot, ça se joue avec des footballeurs et non pas avec des gens comme nous, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Comment le Maguire, il est sur le terrain? Comment? Hein? Comment? Vous n'avez pas vu votre milieu, Fred? Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire quoi avec ça? Tu veux faire quoi? Hein? McTominay. McTerminé. Tu veux faire quoi avec lui là? McTerminé là. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, Cristiano Ronaldo, il joue avec des bambins. Des bambins confirmés. Des bambins certifiés. Hein? Des bambins recherchés même. Parce que là, tous les joueurs de Manchester United ne peuvent plus marcher dans la rue tranquillement. Les supporters les cherchent, alors que CR7 peut marcher.
Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Il donne tout. Il donne tout. Les autres sont là à faire les bambins de service. Et c'est CR7 qui prend tout. Mais bien sûr qu'il prend tout. Tu sais pourquoi? Parce que Manchester United a tout misé sur la venue de Cristiano Ronaldo. Ils se sont dit, voilà celui qui nous a fait remporter la Ligue des Champions. Il est parti et depuis qu'il est parti, c'est la débandade. Venez, on le fait revenir. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à virer tous les débauchards, tous les nullos, toute la pègre de Manchester United. Tous ces mafieux, ces bandits, ces irrespectueux, ces gangsters, ces délinquants, tous les délinquants là qui jouent à Manchester United. Il faut les virer. Il faut les virer. Tu les vires. Tu ramènes des bons citoyens qui viennent jouer à Manchester United. Et là, ça joue. Mais là, vous voulez virer Cristiano Ronaldo? Oh là là, vous connaissez rien au foot. C'est pas grave. Voilà, donc on dit souvent que vous êtes un club historique. Mais voilà, vous pouvez oublier aussi l'histoire. Ça arrive à tout le monde d'oublier, même aux concernés. Vous pouvez oublier d'où vous venez. Hein. C'est votre problème. En tout cas, Cristiano Ronaldo, comme je t'ai dit, si tu quittes pas là-bas, ils vont t'attacher sur un brancard et commencer à dire que tu perds la tête et que tu es devenu fou. Donc moi, je te propose de quitter littéralement. Viens en France. Prends Monaco ou Marseille ou il y a qui encore? Voilà, il y a que ces deux équipes. L'Espagne, il n'y a plus personne qui veut de toi. Va en Allemagne, va à Dortmund. Je sais pas moi, va à Dortmund, tu baisses ton salaire et puis tu t'en vas. Ça ne sert à rien de rester dans ce club maudit. Il est maudit. Il est complètement... Ça y est, il est malade. La malédiction, elle a atteint le poumon. Vous avez oublié ce que Mourinho il a dit sur ce club? Son plus grand succès en tant qu'entraîneur, c'est d'arriver deuxième avec United. Parce qu'il dit que c'est impossible de travailler là-bas.